Je remercie Inès pour d'être ici et d'avoir organisé ce webinaire qui nous permet de rencontrer un ensemble d'artistes et de chercheurs qui travaillent sur l'improvisation. Et je voulais remercier également les CTL, les laboratoires auxquels un certain nombre, Inès et un certain nombre d'enseignants-chercheurs appartiennent, de l'Université Côte d'Azur, et aussi remercier l'Institute of International Education et les programmes POSE qui ont contribué et contribuent donc à la bonne réalisation de ces webinaires. Et aussi, pour terminer, remercier tous les intervenants qui ont contribué à la bonne réussite déjà de ces cycles, et tout particulièrement les intervenants d'aujourd'hui, Inès Pérez-Wilke, ici avec nous, et Sylvia Citro, que je présenterai de manière plus approfondie tout à l'heure avec leur parcours. Et remercier aussi enfin des personnes qui nous aident à l'organisation en assurant la traduction entre français et espagnol, qui sont Daniela Tenam et Andreina Garcia. Merci beaucoup. Et à ces propos, en fait, je vous invite, pour les personnes francophones, à rester, disons, sur le, en bas de votre Zoom. Vous avez une partie, une icône interprétation. Vous pouvez laisser désactiver pour les personnes qui parlent français et qui m'écoutent directement, mais vous pouvez aussi jongler successivement entre l'espagnol et les français. Voilà, donc à vous de choisir. Si vous avez n'importe quel type de problème, écrivez-nous dans la chat pour qu'on puisse éventuellement les résoudre. Et pour cette raison aussi, vu qu'il y a cette traduction, on invite tout le monde, même après, dans les moments de l'échange, peut-être à tenter de parler doucement pour permettre la traduction de se faire. Donc, je vais présenter donc ces cycles de webinaires « Risquer les vides ». Donc, ces webinaires, donc, pensés et conçus par Inès Pérez-Wilke, c'est un espace d'échange et de réflexion collective autour des pratiques contemporaines d'improvisation, y compris aussi les pratiques d'improvisation populaire qui souvent sont plutôt regardées comme des pratiques qui se situent un peu en dehors ou disons à côté de la contemporanéité. Et ce webinaire vise comme projet principal à questionner la notion des vides, donc, dans ses différents aspects, et interroger par là les possibilités et les limites de cette expérience de l'improvisation. Il envisage la possibilité de penser cette notion des vides et ces vides comme un lieu de création qui permet donc de penser les gestes improvisés comme un geste doté d'une puissance et d'une agentivité singulière.
Et c'est là autant dans les domaines de la danse que de la musique et du théâtre. Et c'est pour cette raison que ce webinaire se veut en fait s'inscrit dans une perspective interdisciplinaire et interculturelle qui s'avère indispensable en fait à aborder un tel objet de recherche. Donc, ce webinaire est structuré en quatre axes. Des séances sont déjà passées, elles ont été enregistrées et seront diffusées à la fin du cycle. Et ces deux séances qui ont déjà eu lieu sont le savoir des corps improvisant, qui a eu lieu le 30 septembre. Et le deuxième, c'était accéder au vide, rituel et acte propitiatoire, qui a eu lieu le 21 octobre. Donc aujourd'hui, nous présenterons cette troisième séance qui s'appelle Sens émergent dans l'acte improvisé. Et il y aura une quatrième et dernière session qui s'appelle Dimension spectaculaire en improvisation, qui aura lieu le 16 décembre. Donc, j'aimerais commencer là avec la présentation de la première intervention en présentant donc la première intervenante qui est Inès Pérez-Wilk qui nous présentera en fait une communication qui s'appelle « Rituel de l'inconnu, état, paysage et texte dans l'émergence du sens ». Donc, juste quelques mots à propos d'Inès. Elle est enseignante-chercheuse associée à l'Université Côte d'Azur au sein du CTEL et est titulaire à l'Université nationale expérimentale des arts au Venezuela. Elle a obtenu un master en arts du spectacle à l'Université fédérale de Bahia au Brésil et une thèse de doctorat dédiée aux études sur l'interculturalité à l'Université bolivarienne de Venezuela. Elle a donc une formation interdisciplinaire, c'est ça l'équerre de sa recherche, dans les champs de la performance. Et parallèlement, elle a une formation à différentes approches du mouvement et pratiques sensibles. Elle a consacré ses études à des collaborations et promotions d'actions collectives en art vivant avec des organisations aussi populaires de travail culturel au Venezuela, au Brésil, à Cuba, en Bolivie, en Colombie et maintenant aussi en France. Donc, elle est promotrice aussi du groupe de recherche Caracara, axé sur l'étude des médiations esthétiques décoloniales et a coordonné les groupes de recherche Semeruco, axé sur l'étude de l'improvisation performative. Je lui laisse la parole. Merci Inès. Bonjour à tous et à toutes. Et merci Frédérica pour ces jolies présentations. Et merci aussi au CTEL et à l'équipe de danse qui est une très chaleureuse équipe de soutien pour le travail qu'on fait. Merci beaucoup. Et voy a saludar, creo que hay algunos amigos de Venezuela. Solo un beso para acompañarlos, sí que están ahí. Voy a hablar en francés porque en este momento es la casa. Merci. C'est la maison à ce moment, así que je reviens en français et dans notre université. Je vais commencer par partager mon écran. J'espère que tout sera bien pour en voir. Et, s'il vous plaît, de me dire si c'est bon pour tout le monde. Oui. J'ai tombé sur ce type de partage que je n'y vois personne. Donc, est-ce que juste tu peux les remettre? Moi, de mon côté, j'ai une partie qui apparaît en gris, juste en haut.
Juste si tu peux les sortir, les remettre pour voir si... Déjà, je l'ai sorti. Ouais. Dis-moi si... Je veux la relancer. C'est mieux? Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais j'ai une toute petite partie en haut qui est grise, mais je ne veux pas que ça soit... Je me demande si c'est mon ordinateur. Est-ce que quelqu'un d'autre juste peut me dire? Oui, moi aussi. Oui, il y a juste une petite partie en haut qui est grise, mais merci pour la réponse. Je ne sais pas quelle est la raison. Je ne saurais pas t'aider. En tout cas, on voit la plupart de la... Si tu les laisses comme ça, ça ne dérange pas, en fait, parce qu'il apparaît sous la barre en haut. Donc, peut-être c'est une solution pour ne pas déranger l'image. OK. Bon, il y a aussi un carré qui apparaît. Et là, maintenant, tout est gris. Non, ça ne va pas. Ouais, voilà, là, c'est bon. Ça sera seulement d'image. Comme ça, il n'aura texte ou quelque chose à voir. C'est mieux si l'image s'est pu voir en tout entier. Mais à ce moment, je n'ai aucune autre présentation à la main, notre format pour essayer. Vraiment. Et se laisser accueillir au marche quand même. Oui, ça marche. Les images changent. Pas de soucis de ce point de vue-là. Et quand même, je voudrais commencer avec une vidéo. Ainsi que j'ai vu lancer la vidéo et j'ai besoin de confirmation que la vidéo se voit et que vous entendez les sons. Oui. Et alors, on va partir de cette image. On commence et voici une essaye, une carte de mes inquiétudes et intuitions autour de l'expérience d'improvisation. Comment un dispositif de production de sens, voire d'image, des traces, des récits partagés. Il faut dire ici que l'image sera toute empreinte dans la subjectivité, ainsi que des sons tactiles, du goût,
tout elle sera image. Dans cette analyse, le focus, c'est la production imaginale que l'improvisation libre permet y voir quel type de discours, de récits visuels, sonores, multisensoriels sont fabriqués pour cette voie de l'improvisation. Qu'est-ce qui reste comme trace et qu'est-ce que ce type de faire arrive à dire? Et quelles peut-être seront les conséquences dans cet tissu imaginaire de ce type de fabrication? J'ai vu des paysages proposés à travers de la sonorité qui sont ensuite habités et manipulés par les corps. Je vois aussi des morceaux, des histoires qui ne vont pas aller au final, si ce qu'il y a. Ou des peintures en suspension qui se défont et dans un coup d'œil. Ainsi que c'est ça la matière que j'ai vu réfléchir. Mais cependant, dans son premier temps, j'y ferai un point sur l'arrivée à l'improvisation. Et c'est ça comment voir l'improvisation en tant qu'une démarche, une arrivée à. Et après, comme un déplacement dans un territoire inconnu qu'on découvre et dans le même temps, on les crée, on les fabrique. Et on trouve là-dedans des centres, des bords et des vides. C'est le thème qui nous traverse. Et ces démarches commencent pour un premier pas, parce qu'effectivement, je vois qu'au moins dans nos sociétés, l'improvisation, c'est aussi une question de puissance, voire de pouvoir, et une capacité, vraiment. Il est dedans de l'improvisation quelque chose à faire, nous-mêmes, malgré tout. Et malgré quelque chose qui se passe, c'est quelque chose qu'on fait. De notre côté. C'est pour cela que j'ai commencé ces conversations avec la notion d'agentivité. Parce que la première découverte pour moi, tout au début, c'était la possibilité d'agir dans son lieu de visibilité et participer de ces jeux collectifs. Cela semble évident, ou peut-être. Ça peut être évident, mais ne laisse pas vraiment. Il faut dire qu'il a toujours des contraintes, qu'il a des limitations et que cette expérience d'action publique s'est présente différemment dans différents lieux, contextes du monde. Et je crois, une partie s'est référée à ça par Philips dans les premiers webinaires, quand il appelait de la machine et d'agir dehors de la machine. Ces machines agissent différemment et travaillent différemment sur différents contextes. Et dans certains de ces contextes, c'est vraiment une expérience rare et agir. C'est pour cela que j'ai fait toujours explicite les lieux d'où je parle, d'être femme, d'être latino-américaine, d'être métisse, et dès qu'on bonjour, ainsi dans cette histoire, je me déparais comme quelque chose de nouveau, de rare, comme quelque chose qui me réveille, que même que le monde tourne et irrémédiablement, on peut participer de la façon de tourner, on peut intervenir dans les démarches, dans quelque chose qui paraissait comme un destin. Et j'ai parlé de moi, mais je sais qu'il y a des expériences similaires dans les quatre coins du monde. Qu'il est nécessaire de regarder. Dans ce contexte, suivant la première action qu'il faut pour improviser, c'est une négation. Il faut se nier à accomplir un certain rôle, à faire des répétitions, à travailler à partir de la mémorisation, à parler une seule langue, à suivre un seul codage. Voilà un premier vide
c'est une limitation où, à partir dont on doit prendre le risque de sortir. À sortir de l'importance de ces contraintes. Et à pesar de peur, à sortir de la peur, qui est aussi Alice a parlé dans ses premiers webinaires, et de la paralysie. Il faut faire nommer ces trous du vide, qu'il y a aussi une notion plus métaphysique de quelque chose qui est là, et aussi quelque chose qu'on fait. On fait une rupture pour passer un trou, pour produire la possibilité d'un vide différent à celui de la mort. C'est une figure négative, pas moralement, je dis plastiquement, en parlant plastiquement, c'est-à-dire identifier les contours, découper les contours d'une contrainte, de quelque chose qui est fermé, de trouver les fissures possibles à partir de lesquelles les vides peuvent s'ouvrir. Mais il faut quand même s'approcher des limites pour trouver ces vides et supporter la peur, la chute, la solitude, pour y après pouvoir agir autrement. Il faut aussi, à un certain moment, arrêter de bouger, de répondre, se résister un peu à l'action, paradoxalement, se résister à l'action conditionnée. Et ce silence qui résiste, qui se transforme dans l'espace réceptif, il passe de la négation à être un lugar pour pouvoir sentir l'espace, le temps, il se déformer, s'ouvrir. On peut sentir les arrives de ces vides vertigineux comme quelque chose de vivant, la séduction du vide qui est aussi, je pense peut-être, la séduction de l'autre. C'est toujours quand Lévinas qui va revenir sur lui un peu. Parfois, ces protocoles d'accès au rituel du vide, que j'utilise la parole rituel, on va voir après, et il a quelque chose d'abstract, je sais. Mais il y a, par exemple, dans quelques traditions afro-descendantes, il y a un savoir collectif qui fait que certaines règles du jeu, il y a un jeu à jouer pour la manifestation, on peut dire culturelle. Mais à un certain moment de la fête, les règles du jeu de la fête périment. Ils vont trouver une limite pour donner l'espace à l'improvisation qui c'est déjà c'est inattendu, imprévu et inconnu. Dans ces expériences collectives d'intimité, de toute façon, normalement, il y a une démarche qui permet de partir du simple pour arriver dans les complexes. Par exemple, à partir d'une base rythmique ou à partir d'une parole, à partir d'un geste quotidien et qui après, l'ensemble va grandir, à se faire complexe jusqu'à voir dedans, dans ces agencements qui grandissent, on trouve des dents qui permettent l'accès à l'inconnu. Ces moments où les codes s'arrêtent et se déclenchent en pouvoir, on voit que ce n'est pas un pouvoir personnel, mais que la personne est en contact avec une force qui la traverse. Et en traversant, elle peut la toucher, il peut moduler, et elle peut intervenir. C'est là la participation. C'est là pour qui montrer l'importance d'entrer de ces premiers moments où à entrer à travers une tradition et à changer ce territoire pour l'espace vide de l'improvisation libre. C'est là pour montrer comment est importante éprouver, goûter la capacité d'agir, de participer et de vivre dans les agents collectifs. C'est le premier paysage. Une communauté qui, sur le terrain,
avec les contraintes, avec les autres, trouve la capacité d'agir, de faire ces trous dans le quotidien et de l'utiliser ensemble. Mais cela demande une étape. C'est le deuxième moment avant de parler des images. C'est de ces savoirs, de cet état qui permet un savoir laisser arriver. Et voilà que quelque chose arrive. On peut comprendre dans cet ensemble de conditions, on peut comprendre qu'il y a un savoir qu'on peut nommer comme écologique. Cela veut dire que c'est produit dans des relations entre les différents corps, matière et existence qui sont dans l'espace. Mais aussi, il faut dire que c'est un savoir qui c'est un type d'opération consciente. Et je reviens sur l'idée du rituel parce que c'est ainsi comment identifier les expressions d'un savoir arrivé à un certain état pour convoquer l'inconnu et les recevoir. Il y a un certain contexte conventionnel, dire prévu, parfois, ni toujours, mais parfois la salle, les bonjours et les choses de la quotidiennité qui à la arrivent. Mais peu à peu, les dispositifs prévus pour cela font possible un déplacement, une ouverture qui permet de sortir de ce niveau, de cet état, on peut dire, comme cette couche de la réalité, et on sort, car elle, l'improvisation arrive. Il y a donc un savoir mettre en place ce dispositif qui permet d'arriver à cet état. C'est pour ça que l'action, cette action, cette capacité d'agir, et ce silence de s'arrêter, donc, sont qu'une porte. Qu'après, qu'on la dépasse, on arrive à des nouveaux paysages. On trouve une relation plus directe avec les éléments, avec ce qui est en train de nous traverser. Après, supporter les pas pour arriver là, c'est on peut dire arriver à une action sans partition, mais une observation de, sur et sa partition mobile qui change, qu'il faut suivre ensemble. Cela veut dire sentir en plus que l'impulsion, les flux, pour nous mettre dedans au mouvement différemment. Il faut donner lieu à une intention désirante, à un type de réceptivité qui fait possible les transits par cet inconnu. Je vais passer maintenant la prochaine vidéo jusqu'à un petit morceau à cause du temps. Ce qui, s'il vous plaît. En fermant, il commence un peu dans l'obscurité, est-ce que maintenant c'est visible quelque chose? Bon. Ok, c'est bon.
on va continuer à partir de là. C'est performance d'improvisation qu'on support caméra pour vidéo. Et on va retourner à ainsi ces questions de l'État. Parmi les principes de summa causale, le summa causale, c'est un, j'imagine tous auront écouté, un conjoint ensemble des savoirs aymara dans les communautés de les Andes, des communautés aymara, ont systématisé ce type de savoir, ces savoirs de vivre, comme summa causale, normalement traduit comme les biens vivre, je crois en français. Dedans cet ensemble de connaissances, il y a un principe nommé summa tukunya. Summa tukunya, on a vu traduit dans une version un peu réductrice, et a été traduit comme savoir d'ainsi. Mais évidemment, il s'agit d'un savoir d'ainsi très différent de celle de connaître certains pas ou certains composition ou des figures de ce type de danse ou ce style de danse. Même le mot savoir pour ces communautés-là, ce n'est pas bien dire connaître les sujets, quelques sujets. Et pour un Bolivien, au moins dans l'alto, savoir, ça veut dire plutôt les faire quotidiennement, quelque chose qu'on fait quotidiennement. Si on savoir, c'est savoir, veut dire plutôt avoir la costume ou fréquemment entrer en relation, en connexion avec les sons et mouvements, les sons et les mouvements. Cette pratique, c'est savoir de savoir être en relation avec les sons et les mouvements, fait partie de ces principes. Et c'est à différents niveaux, c'est être en accord avec soi-même, que c'est pour lui très important, que c'est un signe de santé, en fait. Mais avoir, au savoir, aller dans une accordance collective, pouvoir sentir la communauté, qui pour lui, c'est très large aussi, non? C'est les animaux aussi, la maison, etc. C'est toute la communauté. Mais on peut retourner à ces métaphores plus occidentales d'écologique, dans un sens écologique, qui pour eux sera plutôt cosmique. Ainsi qu'on parle aussi ces soutiens dans cette idée pour penser cet état que la danse permet, que l'improvisation permet, que ces rencontres interdisciplinaires permettent. Enfin, on parle d'un état où je trouve là ce deuxième vide, que c'est un vide d'un abîme de pouvoir offrir un abîme pluridimensionnel en soi, qui donne de l'espace nécessaire pour se donner à l'autrui. Il s'agit d'un vide nécessaire pour laisser d'être. C'est là que je reviens sur Lévinas. C'est juste d'être, cette idée de sujet, pour que l'autrui nous traverse. C'est Nich Nhan Hanh, vous les connaissez, les monges bouddhistes, que je l'écoutais une fois en disant que l'amour, c'est justement ça, avoir espace vide dedans pour les autres. C'est ces capacités de se vider pour que les autres puissent habiter en nous. Enfin, parce que c'est fait que ce qui est plein, totalement plein, ne peut dedans ne peut circuler rien, ne peut émerger rien. Il n'y a pas de possibilité de transit. Dans certains niveaux, non? Parce qu'on sait que dedans les plus solides, il y a des vides aussi. Dedans de l'atome, il y a des vides aussi. Et silence, espace, air, abandon des références configurent cet état qu'on peut, en suivant les images qui nous sont données Fabrice et Alice dans les premiers webinaires, de la chute et des vols, et du vol, que des différentes manières, différemment, sont aussi
de cet état vertigineux. Mais il arrive un moment où les questionnements de cet état s'arrêtent et l'important est de percevoir les courants et les goûtant dans le même temps de les faire changer. Avoir les possibilités de les suivre, il les fait changer ou les fait transformer dans le même temps. Il y a un accord d'arrêt entre laisser passer et intervenir et dans ces moments-là, qui peut être très subtil, jusqu'à petit détail ou très fort jusqu'à la folie ou les frénésies. Dans les cultifs de ces saveurs foires, laisser arriver que nous avons identifié comme une condition écologique de la polarisation, j'ai pu voir quelques autres caractéristiques que je voudrais montrer assez rapidement, que c'est cet état de dédoublement, éloignement de soi, cet arrive de sentiment d'être un peu étrangère, inconnu à nous-mêmes, peut-être un inconfort, une certaine dissolution et délocalisation de moi, c'est très fréquent, des orientations un peu, une orientation différente. Et un paradoxal, c'est moi, mais c'est pas moi, ou c'est pas moi, mais c'est tellement moi, ce qui vient. C'est Viveiros de Castro, un anthropologue brésilien, qui a parlé de multiperspectivisme amazonique aussi. C'est une autre pensée aussi de notre population latino-américaine indigène. Et dans ces perspectives, consiste en une instabilité ontologique où on sait qu'on peut être une autre parce que les rôles d'humain, animal, végétal et les différents états de vivre ne sont pas stabilisés. Ainsi que on peut devenir un autre type d'entité. Et ce traversement peut se développer comme un savoir. Ça veut dire que j'essaie de changer d'état, que je peux le faire volontairement, ou cela peut être arrivé simplement, au contraire, par ignorance. Par exemple, en regardant les yeux d'un autre être pour beaucoup de temps, et à ce moment-là, on change la place. C'est que dans ces scènes, on sait qu'on n'est pas, qu'on est ou qu'on était, c'est là ici, juste temporairement. C'est transitoire, cet état en soi. Et on sait aussi qu'on peut être plusieurs, qu'il y a une multiplicité. Ainsi qu'on peut s'accrocher et se désaccrocher des forces qui sont en train de traverser pendant l'improvisation. Et bon, volontairement également, ou aussi pour accident, pour se laisser emporter. J'appelle ce type de conscience comme un ethos altéritaire parce qu'il arrive le moment qu'il n'y a pas un sujet central, sinon que toutes les formes du sujet se sentent dehors. Il sait, chaque forme est consciente de qu'il est une autre, qui est du côté des sujets conventionnés. Cela sera une communitas étrange, sera une forme plurale étrange. Pour nommer ce type d'expérience de résonance collective, de dissolution de ce type de subjectivité plus fixée du moi, en faveur d'une perspective de déplacement vers ce champ vivant. Ces communautés vivent et se forment pour avoir des expériences ensemble, où il y a aussi l'intemporalité, une caractéristique commune qui arrive suivant de cet état de plasticité de l'expérience temporelle. Une perception différente de la temporalité sur laquelle on a une certaine aussi capacité d'action. De ces manières, le temps se fait, comme j'ai dit avant, se laisse toucher,
un peu comme l'argile et donner forme avec des sons, avec une certaine texture de geste. On peut passer, par exemple, à faire de l'intemporalité, à se donner et donner de l'expérience de l'intemporalité, mais aussi un peu se dérouler dans une idée marrière, c'est des mouvements frénétiques. Ou sinon, aussi, on peut, comme la musicale est fait, mais dans une expérience improvisée et interdisciplinaire, découper les temps, rythmiques ou arythmiquement. Et voilà qu'on arrive à les moments, bon, les thèmes centraux qui sera aussi pas large, qui c'est d'observer comment dans cet exercice qui bascule entre l'attention sensible et l'action qui émerge, si l'attention, l'ouverture, la réceptivité et la capacité d'agir et l'action émergente dans l'improvisation se trouvent en tissu des sens. Presque morceaux, préfigurations, on peut dire, mais qui ont la capacité, je crois principalement, d'établir une autre ordre des choses, un autre régime après les silences. Cela permet l'émergence de ces sons, ces gestes, ces paroles, déjà dans une autre relation de vérité, avec des atmosphères et paysages singuliers. Cet ordre, je veux dire poétique, qui peut être aussi quelque chose d'irrationnel, de rêve, mais qui se permet d'opérer en veille, mais derrière, en veille, mais derrière, pas divin, en laissant l'espace à l'attention, à l'ouverture qui permet d'émincer, je veux dire émincer, l'espace entre ces deux dimensions, des veilles et des rêves, qu'on retrouvera, je crois, sera visible dans, dans les productions. L'importance ici est constater que les changements de perspective politique et d'état d'attention font changer le régime des perceptions de la réalité. Ce n'est pas ésotérique, c'est politique pour moi. Dans l'improvisation, on observe des formes de production collective de l'extase qui stimulent une étape de la fête, qui ouvrent un espace pour les jeux spontanés, qui tirent sur la surprise et la richesse de l'improvu, de ce qui en fait s'est construite entre ce qui est déjà là, qu'on trouve là, et aussi ce qui on peut faire émerger. La présence, c'est déjà là, et qu'est-ce qu'on peut faire émerger? Pour ça, comment savoir, il y a un défi technique. Comment parvenir et s'éteindre, plus important, et dans cet état de risque présent, pour faire circuler et manipuler un certain type de pouvoir, sans être en possession vraiment de lui, sans être maître et au don, c'est les laisser passer et travailler ensemble. Puis ainsi, cela permet un type de vécu de ces paysages, de ces vides en continu, de l'espace intérieur, extérieur, relié, continu, perméable. Dans la mise en place performative, s'est produit une émergence des formes. L'arrivée des figures lisibles, même que précarément, il y a des traces qui s'offrent à la contemplation, qui se posent comme une nourriture, comme la nourriture d'une pensée poétique. Ces ensembles formels qui se configurent en rapide et éphémèrement, partage et explicite d'une manière que je veux dire directe, ce que je dis intuitive, certains types de forces et de contenus qui sont traversés pour l'affectif,
pour les désirs, pour la mémoire, qui sont traités, où l'improvisation s'offre comme un espace pour les traiter, pour les processer ensemble. Et c'est important cette idée de traitement, ainsi qu'on voit les dispositifs d'improvisation comme un appareil pour traiter ensemble certains types de jeux collectifs qui nous traversent en commun. On se pose, et même le public, s'il y a un témoin ou plusieurs, une situation d'exposition à ce qui nous offre une possibilité, une condition de lecture touchée, je veux dire. Ce n'est pas une lecture qui attend, c'est une lecture de l'action. Je vais partager ce travail aussi en vidéo que j'ai fait dans les premiers jours de la pandémie avec Sigmund Sedinsky, en simultané, mais chacun chez soi. Ce tissu un peu aléatoire des images montre la latence d'une infini, d'une source de contenu en émergence sans fin. Il n'y a pas de limite pour les associations, les résonances, les analogies, les métaphores qui prennent sa singularité de ses actions et peut se dérouler d'une manière fractale, avec plusieurs facettes. Mais cependant, dans chaque moment précis, on peut voir juste une qui s'échappe rapidement. Ces paysages se donnent à voir aussi sans rien déterminer. Chacun fait sa lecture assez vite pour continuer sur les fils à ce qui est déjà ailleurs, parce que c'est déjà passé, il y a
à nouveau une autre image. Ces moments sont des événements qui arrivent et matérialisant des choses non dites et les donnant des matières dans l'acte, voire un moment de fabrication de réalité, d'impulsion symbolique qui devient dans une substance matérielle qu'on le sait déjà et aussi cogitante, mais qu'on la voit se configurer matériel et symboliquement et se défaire. Ça, c'est cool. C'est fuite, c'est va. Mais on s'est déjà traversé, on nous a déjà traversé. On participe juste pour un moment de ces paysages, de cet état des choses transitoires. Cela peut-être ne permet pas de trouver une histoire, mais il nous donne une carte à lire et à faire aussi pour les performances, à suivre. Il nous donne une image, un paysage à suivre. Cela donne à chacune la possibilité de choisir une partie partielle de ce récit, une perspective de ce récit, ou qu'elle donnait du sens et à partir de cela contribuer à l'action qui sera la nourriture de la suite, à la continuation, les germes de la prochaine image. Quand je m'arrête sur ce type de réflexion et d'image, je pense qu'il parle fortement pour moi dans ma expérience d'improvisation. La première empreinte, vraiment, c'est de la matérialité du son. Qui après s'est fait paysage, je l'ai dit au commencement, s'est fait espace. Mais il y a dans les sons, la qualité pour moi de création des matières corporelles à travers laquelle je peux bouger. Et bien sûr, un geste et une matérialité peut créer un espace, peut ouvrir un espace. Mais il y a dans les voyages de la musique, dans son qualité pour traverser presque tout, un pouvoir qui m'offrait vraiment des territoires, des objets, même des escaliers, m'offrait des vides, m'offrait des rafales d'air, des courants d'air, par exemple. En donnant des temporalités différentes aussi. Aussi, dans la production performative qui naît de l'improvisation, je vous dis avec cette belle image de Werner Pontiga, du CEPI qu'on a fait à Valsivière cette année. Et dans les productions performatives qui naît de l'improvisation, on voit que les plus simples, les actions, les choses les plus simples offraient une nouvelle face, une nouvelle visitation. Ça veut dire une relecture du quotidien, l'opportunité de regarder des choses très simples, comme marcher, toucher, regarder, se révèlent comme des expériences presque miraculeuses. On a vécu ici, dans ces premiers webinaires, l'expérience que nous a proposée Patricia Kuiper, de juste déposer les mains sur le visage, ou les visages sur les mains. Et comment sa tension donne à cet acte tellement quotidien, il les fait sortir de ces naturalisations pour nous interroger, pour se faire un empreinte. C'est l'attention, c'est lui qui fait un geste mille fois connu, mais avec cette attention, tourner dans une chose différente. Et c'est aussi l'attention de ceux qui regardent. Okay. Un geste simple sort de sa quotidienneté. On va dire que Eugenio Barba qui a parlé de ça comme extra-quotidien, ou Armindo Bian du Brésil a parlé también comme ses regards, peut-être qui fait qu'une chose quotidienne se tourne et spectaculaire, se tourne et spectaculaire, nos sens de s'offrir à voir, de s'offrir comme quelque chose à contempler, à voir et à accompagner. Ces petites choses apparaissent parfois des figures instables qui déforment la calme quotidienne de l'image.
Il y a quelques petites choses d'étranges, je vois. Dans les marches, les pieds, c'est Marjorie Lannon, derrière le rideau. Et c'est tellement simple, mais il y a quelque chose d'étrange qui transite par les bords, de doucement, pressant, avec des apparitions fugitives, quelque chose de signe visuel dans ces cas, mais peut-être sonore, qui fait que sa figure quotidienne s'est configurée comme une image dehors et qui soit à la fois émouvant et précaire. Soit précaire, si manquante un peu, qu'est-ce qu'il faut, et émouvante. On parle des paysages qui permettent de penser ces pensées poétiques, mais suivant, on voit ces poétiques à parler de l'absurde. C'est-à-dire qu'on retourne, c'est une autre image de Sepi, en parlant de ces gestes quotidiens. Et on retourne, je me demandais, sur cette image qui sont plutôt dehors de la quotidiennité, plus proche d'une poétique de l'absurde. Si on retourne chez le surréaliste, qui sera pas mal, mais je crois dans notre temps a ses propres défis. Et je crois peut-être nous, malgré la folie de la vie contemporaine, je vois que pour nous, est plus déconcertant de ce type d'image qu'il y a 100 ans. Par exemple, et certains témoins trouvent que les défis au sens littéral, la pensée logique, c'est la chose la plus touchante de l'improvisation performative. Il s'agit d'une confrontation directe de cette évidence qui s'est fait passer pour elle, avec une type de fausse régularité. Cela peut être plus bien, je crois, paraître parfois le chaos, quand vraiment il ne s'agit pas que petites choses déplacées, c'est une fin plutôt là, une son qui n'est pas un moment attendu, mais dans une autre, c'est des petites choses déplacées, inversées, contradictoires, qui font sauter les ressorts endormis du sens. On va contre, c'est déjà un écartement, une fissure, cette fissure qu'on cherchait pour en sortir, pour aller sur l'espace ouvert, voir aussi le vide, et il demande un effort de se tenir. C'est suspendu dans cette impossibilité d'un sens évident, d'un sens littéral, d'un sens plus logique pour se tenir déjà dans cette image instable et peut-être bouleversante. Ces images émergent d'un état qui semble aussi, quand on parle d'absurde, peut-être d'onirique, mais je trouve que c'est qu'ils soient deux registres très différents, vraiment. Et le codage de l'inconscient est tellement précis qu'il est capable de soutenir un vaste territoire de connaissances et théoriques. Dedans la demande analytique qui observe agir, qui ça se rassure dedans de tout agir, il y a un récit, il y a cet issue, un texte qui va émerger de manière pas prévisible, mais qui est là. On se pose la question ainsi, qu'est-ce qu'ils font ces improvisateurs? Quel est ce texte? Plusieurs, pourquoi se posent à cette image dans les processus? Ainsi comme, mais je vois que comme dans la vie, que les processus biologiques et à une activité permanente et infinie, les cellules automatiques et avec Marturana, automatique ou autopoétique. Nos sens, lui, Marturana, qu'on autopoétique en se référant à la fabrication cellulaire. Et je vois, il a aussi une infatigable production symbolique à partir du désir,
une action égale, également créatrice, également permanente, également, et, je veux dire, nourrissante et productive de la fabrication de la vie. C'est comme dire que les symboles, c'est aussi à manger. C'est aussi nécessaire, c'est l'improvisation, c'est un territoire offri pour cela, pour le faire émerger. Finalement, je vois que sur le plan politique, l'improvisation se présente comme une stratégie qui rendre visible des choses cachées, comme le théâtre de l'oppressé d'Auguste Boal, des productions de sens déniés, que la normalisation des discours et les conditionnements des subjectivités, même dans certains contextes artistiques, dites artistiques, éludent ou inhibent, ou s'auto-inhibent, peut-être, plutôt, l'émergence de sens hétérogènes, des récits ou d'images dissidentes, des discursivités non linéaires qui réalisent l'improvisation, c'est présent comme en plus des actes de perturbation. De la calme des discours naturalisés pour montrer une production et mouvement des nouvelles possibilités des fissures, des écarts dans les sens. Peut-être, je vois, c'est sur les propres processus de création-traitement. Ce qu'on observe, c'est aussi, c'est pas seulement aussi les images configurées, mais l'image de la construction de ces images. Ces manifestations ont la capacité d'échapper au langage structurant parfois et d'être en relation avec d'autres forces en produisant des tas. Ce qui veut dire d'être en substance et une instance pour continuer cette activité de fabrication, o sea, c'est la garantie de la continuation. On peut alors gagner la condition de l'action, mais d'un type d'action qui émerge de ces relations dynamiques et partagées disponibles sous changement et échangement pour produire ensuite et en les autres des possibilités, cette apparition dans l'espace que nous traversons, que nous traversons aussi, que on partage, l'apparition de ces trous qui est possible pour nous passer et pour faire passer des autres. Ça veut dire que la première production, peut-être, c'est l'ouverture en nous-mêmes. L'ouverture de ces nouveaux territoires, des dames. Face à la présence des témoins, des publics, c'est un espace résonateur de ces trous qui sont alors psychisme collectif. Ce n'est pas un problème de cabinet, parce que le psychisme collectif, c'est la vie symbolique et symbolisante et productive à tous. Voilà l'importance de ces savoir-faire des rituels pour l'inconnu. Des savoir-faire, espace, événements, moments pour la fabrication collective du monde, de ces territoires ouverts à la signification plurielle, en pluriel, à ces tissus de sens, transpersonnel, altéritaire, collectif, stratégies qui puissent bien ou qui font, ont, qui ont la possibilité de aider à faire face à la peur, à ces contraintes que j'ai parlé tout au début. Mais ce n'est seulement pas moi qui parle, Cynthia Fleury décrit bien pour la société française ces contraintes à la puissance individuelle et collective. Ainsi qu'il s'agit de jouer au-delà, grâce ou à travers le vide. Bon. Avant de finir, je veux partager une dernière vidéo. Ah, c'est aussi cette image très belle du CEPI. C'est Marjorie Lannon encore et Karen Smith pour parler.
de ces images de onirique. Cette image ici va faire le contraire, on va commencer plutôt en avance. Et c'est parti d'un documentaire qui s'est fait à Caracas sur l'improvisation. Oh. Jusqu'à ici, ma carte temporelle, il faut oublier tout ce qui reste dehors du cadre. Ils vont les avoir dans l'esprit et qu'il y a toujours la possibilité des autres écartements, des autres fissures qu'on peut ouvrir pour trouver cet espace de production. Dialogue, d'interdisciplinarité et de fabrication collective. Tout le monde. C'est ça. Merci beaucoup à tous pour la patience. Je ne sais pas si c'était un peu long, mais bon, j'ai bon vous montrer quelque chose.